Non, c'est peut-être la façon poétique dont vous vivez tous les deux la vie. Il a beau être un scientifique, c'est un poète dans la moindre chose qu'il fait. C'est sans doute pour ça que je lui pardonne son désordre. Mais votre poésie ne vous empêche pas d'être très précis, très scrupuleux. Par exemple, j'étais sûre que vous viendriez ce matin, parce que vous l'aviez dit.